Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir au titre ou je sais pas, à la miniature, on verra, on se retrouve pour la Nihonbox du mois de mars. Comme d'habitude, eh ben, je découvre un peu ce qu'il y a dedans. Et en tout cas, elle est cool. Mais bon, bah, je suis un peu triste parce que j'ai pas eu la Nintendo Switch. Bon, c'est pas grave, j'en ai déjà eu une. C'est pas grave, mais il y avait une belle Nintendo Switch à gagner, moi je la voulais. Alors, je vais faire comme... Donc, le thème de la box du mois de mars est la Spring Break. Donc, je vais vous montrer le petit papier que nous avons comme d'habitude dans les box. Donc, là voici la Spring Break. Donc, c'est le thème de ce mois de mars. Donc là, sur le petit dessin, nous voyons un petit... Bon, vous verrez pas. Nous voyons un petit Totoro, un petit Pikachu, un truc et un autre truc. C'est très explicite. Totoro, Pikachu et les deux autres, je ne sais pas ce que c'est. Nous avons comme d'habitude notre petit papier qui dit You Look Camp du manga La Réalité. Ah, donc du coup, on a une figurine en rapport avec You Look Camp. Donc il y a un anime, un manga que vous pouvez trouver sur internet. Enfin, internet, sur... Voilà, sur internet. Oui, sur internet. Ok! Donc merci beaucoup d'avoir commandé cette nouvelle Neon Box édition mars 2020. Ce mois-ci avec votre box, on s'autorise un petit break printanier en observant le début de la floraison des cerisiers en se faisant partir avec des beaux produits bien japonais à travers un thème Spring Break. Donc ok, petit break printanier. Donc au thème de ces box, Nadeshiko, l'héroïne du manga Yu Lu Camp, mais aussi Pikachu et Totoro sont présents pour vous aider à vous relaxer tranquillement en ce début de printemps. Ah non, c'est sur le porte-mine, ok, je vous dis, j'ai rien de Totoro là-dedans. Bon, ça c'est pourri, une figurine là, trop moche. Pour la première fois également, Akira, grand classique de Katsuhiro Otomo, se retrouve dans votre box avec une toute nouvelle collection de figurines. Bah, c'est ça le truc moche, je vous dis, bref. Pour fêter l'arrivée de la poison de Sakura, nous avons également inclus un joli produit pour rythmer vos repas japonais. Oh, ça c'est trop... Alors, dans un premier temps, nous avons... Alors là, nous avons des dorayaki, je kiffe ça. Et ceux-là, ils sont à quoi? Oh, goût de pâte de haricots rouges, c'est trop bon. Bon, j'ai pas les goûter, hein. Laissez-moi le plaisir de les manger demain matin. Oh, mais c'est trop bon, ça, j'adore. Goût de pâte de haricots rouges. Donc voilà, les premiers produits des dorayaki à la pâte de haricots rouges, goût Anko. Après, donc nous avons le truc trop moche, là. Qui est une figurine Akira. Et voilà. On va quand même ouvrir. Donc nous avons un bout. Mais il est moche. Non mais regardez-moi ça. C'est moche, mon dieu. Oh, j'aime pas. Tant pis, hein. C'est comme ça, hein. On peut pas tout aimer. Hein. Ok. Bon bah, voilà la première figurine que j'ai dans cette box. Voilà. À quoi elle ressemble. Après, nous avons un porte... Un porte-mine, mon voisin Totoro. Ouais, un critérium, quoi. En plus, c'est des 0,5 mm, quoi. On a tous, chez nous, des 0,7. Et ben non, eux, c'est des 0,5. Bref. Alors, le Japon... Attends, non, je vous montre pas. Alors, le Japon est bien connu pour la qualité de sa papeterie, aussi bien à travers le papier que pour ses stylos. Ah, mais franchement, il est super classe. Franchement, j'ai pas de mine chez moi. Voilà. Aussi bien, nanana, alors que quand on a la chance de trouver un joli porte-mine aux couleurs de mon voisin Totoro, on n'a qu'une envie de le partager avec vous. Celui-ci est de la marque Zebra, fabriqué au Japon, avec un système appelé Delguard, empêchant la mine... Empêchant la casse de la mine, c'est possible ça? Oh, made in Japan, hein, really? Really? Il est très joli, hein. Là, pour le coup, il est très joli, c'est juste dommage que moi, j'ai pas de mine en 0,5, quoi. J'ai plein de mines en 0,7, mais ouais, du 0,5, j'en ai pas, quoi. Elle est vraiment super bien. Oh, il est trop beau. Oh, il y a une mine dedans. Cool. Oh, Studio Ghibli et tout. Oh, il est trop beau. Je suis trop fan. Trop beau. Après, donc là, nous avons un bol Harry motif Sakura. J'en ai marre des bols, j'en ai plein. Alors chaque année au Japon, le mois de mars est le printemps marqué par la floraison tant attendue des cerisiers. Donc en attendant le mois prochain que l'année unbox 100% sur le thème des cerisiers, voici un joli bol de riz, fabriqué au Japon avec des motifs de fleurs de cerisier. Donc ça c'est bien, c'est bien protégé. Hein. Alors voyons voir comment il est foutu. Oh. Alors même si j'en ai plein,
Et il est beau, simple mais beau, je trouve. J'adore le bruit. Non, franchement, il est sympa. Il est vraiment, vraiment sympa. J'aime beaucoup. Despuis, nous avons un couvre-mug Pikachu. C'est pas terrible. Voici un petit accessoire Pokémon officiel à la fois joli et pratique, comme on en trouve qu'au Japon avec lui. Vous avez pour regarder vos boissons au chaud à l'abri de la poussière en déposant dans un... Pour le retirer, il ne faut pas tirer sur le Pikachu, mais la petite partie qui dépasse, la base. Ah, d'accord. Bah écoutez, étant donné que je bois beaucoup de cappuccino en rentrant du boulot. Ah mais en plus c'est mou. Mon dieu, c'est quoi cette chose? C'est quoi? Ah, d'accord. Eh mais je pensais pas que c'était comme ça. Ah oui, ce que c'est. C'est très mou. Donc en gros, bon c'est pas un mug, mais en soi, ouais ça passe pas là-dessus. En gros, vous mettez là sur votre mug et ça tient au chaud. Et je vais tester tout à l'heure. Ah ça pue, pourquoi je les sens? Je suis débile. Donc voilà, ah, je vous ai pas montré, excusez-moi. Voilà. Il est mignon hein, le Pikachu est bien fait, c'est aussi, j'aime pas du tout la texture. Bref. Oh, je vous ai pas montré la figurine. En fait c'est ça que j'attends le plus dans cette box. Viens nous voir cette petite figurine, comment qu'elle est? On dirait comme les poupées Barbie. C'est bloqué là-dedans. Alors. Oh, elle est trop belle les gens, elle est trop belle. Elle est, regardez-moi cette beauté quoi. Regardez, elle est trop belle. Je connais pas du tout l'univers mais je suis trop contente. Trop classe. Oh. Et franchement, mais cette box, quand il y a des figurines, elles valent tellement le coup. J'ai quasiment des figurines à chaque box là, donc c'est trop bien, je suis trop contente. Non, franchement, je suis contente de cette box, il y en a beaucoup qui râlent, mais bon, il y a toujours 2-3 produits qu'on n'aime pas, enfin on peut pas tout aimer dans la... Voilà, cette box vaut un 12, 12 sur 20. 12 sur 20 dans le sens où je mettrais ouais, 3,5 sur 6 à peu près, parce que bon, celle-là, top. Le bol, bon, il est beau, mais bon, j'en ai déjà plein. Bon, il est beau. Ça, il n'y a pas de problème. Il est très joli. Le couvre-mug à tester. Dorayaki, trop bon. Porte-mine, très joli. Malheureusement, enfin, ce qui est con, c'est que je ne suis plus à l'école, quoi. Mais non, je valide quand même. J'aurais pas eu la Switch, non, c'est pas grave. J'en ai une, je vais pas me plaindre. N'hésitez pas en commentaire si vous voulez mon code ami. Sur la Switch, si vous voulez que venir dans ma ville sur Animal Crossing, on pourra voir ça. Et aussi si vous voulez que je fasse des vidéos sur vos villes Animal Crossing, ça peut être sympa. Je visite vos villes et que je dise ce que j'en pense. Étant donné que je suis une nulle, je ne suis pas une référence, mais juste donner mon avis si j'aime bien ou pas. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir un petit pouce, même si vous n'avez pas beaucoup à le faire. Commenter, ça me fait toujours plaisir, genre un petit coucou. Ou un truc comme ça, pas forcément me dire oui ta vidéo trop bien, non juste un coucou, voilà, ça demande rien. Et moi et mes cernes, on vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, tout ce qui se passe au moment où vous êtes en train de regarder cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine, et bien pour une prochaine vidéo. Ciao.